Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match de challenge européen que j'ai décidé de vous montrer. C'est Grenoble face aux Harlequins. Voilà, c'est un petit match que j'avais envie de vous proposer. Grenoble qui sont déjà au dos au mur avec cette défaite en Italie. Il va falloir gagner face aux Harlequins. C'est à Grenoble, alors sait-on jamais. On va retrouver de suite la Binouze. Malheureusement, j'ai pas l'effectif complètement à jour. Allez. Hello, hello. Tu es là. Heureux. Bon. Oui. La revanche. Ouais. Là, cette je fois-ci. T'attends avec Grenoble. Alors là, Grenoble Harlequins. C'est à Grenoble, mais malgré tout, je suis plutôt confiant pour les Queens. À Grenoble, ils ont perdu. Ils ont perdu match. En Italie. Après, je crois que c'est face à la meilleure équipe italienne, hein, faut savoir. Mais bon. C'est très vise, ouais. Ouais, mais ils ont perdu. Ouais, ça reste une. Ils ont pris 40 points. Pendant ce temps. Ouais, il la joue pas, hein, Grenoble, là. Mais ça, c'est l'excuse. Ça, c'est l'excuse des clubs français, ça. On la joue pas, tu parles. Oui. Est-ce que le Stade français, pour toi, il la jouait pas? Si, il a joué. Bah, moi, je vois la compo du Stade français, il la joue, hein. Il y avait, oui, il la joue. Et ils se prennent une volée. Mais ils se sont fait avoir, hein. Ah ouais. Mais ils se sont fait piéger par un petit club anglais, un peu comme c'est nous. Ça. Hein. Ouais, alors. Mais. Les équipes qui jouent le maintien en général. Je sais pas. Hein. Là, pas vraiment. Ouais. C'est un peu des excuses, ça. En Angleterre, toutes, ils la jouent. C'est pas une ligue fermée. À la limite, tu me dirais en Pro 14, vu que c'est fermé, la Pro 14. C'est-à-dire que les dernières, elles vont pas descendre. Donc, à la limite, tu pourrais me dire. Là, eux, ils ont tout intérêt à la jouer. Mais les clubs anglais aussi, ils la jouent. Pourtant, eux, il y a le risque de descente. Hein. Le 12ème, ils. Alors c'est que le dernier, mais bon. Tu vois, Newcastle, ils sont 12e. Je sais pas. Ils sont pas allés. Cela dit, Newcastle. Attends, challenge européen. Je veux pas te dire ça, mais Newcastle, tu sais qu'ils avaient mis une équipe bis. Enfin, ça, oui, si, je sais. Je veux pas inquiéter les supporters toulonnais. Non, pourquoi ça. Mais ils avaient mis une équipe romagnée. Plus que romagnée. 8 joueurs de Newcastle, c'était le premier match de leur saison. Alors que ça faisait quand même déjà 6 jours. Ah ouais. Ah ouais, c'était vraiment une équipe, t'avais pas tous les plus grands. Hormis Sinotti. C'était et vraiment 10, une équipe. Il a fait très mal. Ah, c'est Toby Flood, hein, le 10 titulaire, hein, pour savoir. C'est pas le 10 titulaire ah, ouais. qui avait. Bah, le 10 remplaçant, et il nous a fait très mal. Hein. Effectivement, il a été bon. Après, c'est lui qui se prend un carton jaune à un moment. Ouais. Qui peut relancer Toulon. Ah, bon. C'est vrai. Moi, j'avoue que. On en a pris 3. Mais... Ouais. Mais je faisais le calcul quand même, il y a sur les 14 équipes françaises, sur ce week-end, il y a eu 9 défaites pour seulement 5 victoires. Dont une victoire toulousaine un peu sortie de nulle part, on va se le cacher. Oui, un peu. Voilà. Alors tu te dis, bon, le top 14, c'est pas lourd, on dirait, cette saison. Vraiment. Comme tu disais, ils sont pas habitués à la règle avec les changements. Mais oui, ça je pense que ça y fait, je suis sûr, énormément. Je parlais avec plein de gens qui pensent exactement la même chose que les mais c'est bizarre ce choix de ne pas vouloir faire la même règle que la règle européenne. Je comprends pas. Déjà on était avant les seuls à avoir 3 essais de plus. Oui, c'est pour les c'est bonus offensifs. Effectivement. Bon okay. Maintenant il y a le super rugby. Mais je préfère largement les 4 essais, je trouve que ça fait plus de jeux les 4 essais. C'est sûr. Allez, Maragnard qui joue aux Sharks maintenant. Mais qui est blessé pour le port jusqu'à la fin de la saison. Allez. Oui, j'ai pas un effectif 3 jours. Hugo Meunier, c'est carrément un mec qui est un commentateur sur BT. Il n'y a pas en avant. Ah mais il revient à la main. Oui, il revient. Mêlée. Ah oui, ben. Bon, j'ai Danny Kerr. De Grenoble, moi je suis à jour. Là, j'ai même enlevé Burton Francis. J'ai enlevé quelques joueurs blessés, il me semble. Peut-être pas tous, mais. Allez. Oh, il est passé. Il est passé, allez. Allez, du soutien, c'est bon, on conserve. Non. Ça monte vite. Oh, on se fait gratter la balle carrément. Non, j'ai Nick Easter, j'ai que des retraités moi, c'est un truc de fou. Oulalalalala, c'était pas loin de passer ça. Allez, Mike Brown, lui il est pas retraité, Danny Kerr, allez les internationaux. Allez, ça
On est passé dans tous les sens. N'importe quoi. Mais ça a marché, ça. Allez. On va jouer l'occupation, on n'a pas le temps. On va voir. On va te laisser un peu jouer. Ah, il a joué au pied. Bon jeu au pied, ça. Attention, on va la laisser. Là, la prend pas, la prend pas, la prend pas. Il m'a fait peur. Il y a beaucoup de pieds de Gaëtan Germain. Ouais. C'est assez décalé. Allez, Nick Evans, lui aussi c'est un retraité, faut savoir. Maintenant c'est Marcus Smith. Oui, t'es pas très à jour sur les Harlequins. Non, oui, j'ai pas du tout à jour les Harlequins. J'ai qui? J'ai Joe Marler, ouais. Kyle Sinclair, Danny Kerr et Mike Brown. En fait, les gros joueurs. Mais... Oh, oh, hop, 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 hop. Ça craint, ça craint. Oh, oh, allez, Maragnard. Allez, allez. Ah non, non, mais Maragnard, fais ta passe. Ça, c'est à vouloir jouer tout le temps les passes après contact. C'est risqué à fond. Oui, j'ai cru me faire encore intercepter. Ça a été. Allez. Allez, mais plaquez-le. Oh, le mec, il rafute. Arrêtable. Couchette. C'est un grenoblois, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, Nick Evans. Ah bah oui. Allez. On conserve. Ah non. On conserve. Allez, Joe Marler. Ça attaque à plein. Ouais. Pour l'instant, j'essaie de trouver des solutions, mais. Chris Robshaw. Allez, Maragnard. Hop. Oh, la fente. Ah, il est passé. Allez, Maragnard. Passé. Allez. Allez. Non, on se rattrape. Ah, j'ai fini par me faire gratter quand même, fallait pas rêver. Lâchez. T'allais m'échapper. Ah, moi aussi j'y ai cru. La place un peu, vitesse inversée. Ça va, Hugo Monnier, bien plaqué. J'ai pas, c'est un peu vide au bord du ruck là, du côté de notre défense. Ah, oui, bah, c'est, je l'avais remarqué. Ouais, j'ai vu que t'avais bien tilté. Allez, Kyle Sinclair. Oh, tu perds pas, c'est un truc de fou là. Une possession qui dure, qui dure. Aïe. Oh là là, on était pas loin. Mike Brown. Mais non, mais pourquoi le mec il se jette et puis pendant 3 heures il y a personne. Allez, bah. Ah bon. Touche. 0-0 à la mi-temps. J'espère que ça va pas se finir comme ça le match. Non. Ah, ça sent que c'est pas loin de craquer à chaque fois de côté ou de l'autre. Tu sens que. Ça brise les lignes, mais ça va pas au bout pour l'instant. J'ai vu que tu avais fait un match nul du coup contre Dragon au premier match. Oui. Mais avec Dragon, franchement, il y a tellement de lag, c'est vraiment dur. Hein. Enfin, avec toi, tu me croirais sur FIFA, tu vois. C'est fluide, c'est trop bien là. Et c'est vrai que. En vrai, il faut pas se fier. Ma co, des fois, elle part totalement. En cacahuète, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'en ce moment elle est plus. Oh, il la met, ça te la met à moi. Ah. Ouais, mais je peux pas l'empêcher, il va tout seul sur le ballon. Mec, il est un peu crétin. Après, normalement. Oh, l'IA. Allez, tu veux pas qu'il y ait 3-0? Allez, il y aura pas 3-0 parce qu'il y a le drop. Cette fois-ci, qui passe. Poteau, non. Il passe et on ouvre le score du côté des Queens. J'ai cru encore au poteau. Ouais, moi aussi, hein. C'est pour ça que je montais, après j'étais là, je courais avec les joueurs pour essayer d'arriver vite. Au cas où. Bon allez, un peu de concentration. Allez, Chris Robshaw. Mais c'est pas possible, ça t'es fort sur ça, tu nous la récupères à chaque fois. Ça fait pas mal. En fait, il faut essayer de la récupérer avec les 3e lignes, c'est eux qui ont le plus de stats en saut. Oui, c'est logique avec ces sauteurs. Hein. Ben, ça peut être des deuxièmes lignes aussi. Tu vas avec les troisièmes lignes et ça augmente tes chances. D'accord. Wow. Oh, bien fait ça. La Chistera en après contact. Oh. Nickel. Je m'y attendais pas ça à passer. Va, Mike Brown. Perds pas. Mike Brown, faut reculer ça. On a quelqu'un d'autre qui y allait. Il n'y a personne dans son nom. C'est quand même dangereux là. C'est dangereux, mais. On glisse bien au niveau de la défense. Et Nick Easter. Ça défend bien ça. Qui vient gratter, et là on joue l'occupation les gars, on préfère aller jouer dans le camp de Grenoble, et oui les Queens ont peur des Grenoblois, vous n'y croyez pas. On l'a bien compris.
Allez, Nick Evans. Ça sera grand... Ah mais oui, bon, du coup c'est mon 15 qui a fait la relance. Allez, ça peut... Allez, allez, ça allez, Mike Brown, oui, laisse sortir. J'ai cru que t'allais vouloir laisser sortir. Je t'ai vu arriver, j'ai fait hop hop. J'avais Mike Brown qui arrivait comme une fusée. Franchement, j'ai cru quand t'as dit on laisse sortir. Allez, ouais, j'ai attendu déjà qu'il rentre dans les 22. Lâchez. Allez, on conserve. On sait pas trop quoi faire là. On va aller fixer la défense. Un pick and go, mais ah là là, tu parles. Le pick and go dans ce jeu, c'est. Par contre. Oh là là, mais c'est... ils sont où là nos joueurs, sérieux? Oh là 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 là. Pourquoi il fait la passe derrière lui? Ça va être tendu une fois de plus ce match. C'est sûr. Allez! Allez! Oh non, okay. Sérieux, on la récupère pas celle-là. Là, oh, t'es tout seul. Oh, là, oh il est tout seul. Tiens. Ok, non. Oh, ah, je l'occupation. Ouais, de te dégager. Ah, tu peux la laisser sortir mal au moins. Oh, il tente la relance comme ça. Oh là 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 là, il prend des risques. Voilà. C'est le moment d'en profiter là. Après, c'est vrai qu'on est déjà à la 65ème. Oh, Ram chaud. 65ème minute. Ah, 65ème. On est concentré là. Il y a de quoi tuer le match. Matthews, allez. Non, il explose le ballon. Par l'arrière. Mais non, mais fais pas le mal. Marion Lanière qui le fait son essai. Oh là là, il explose. Bon plaquage. Oh, le plaquage à Salvat. Si tu gagnes le match, tu pourras dire merci à je sais pas quel grand joueur a fait ce plaquage. Sorti de nulle part. C'est Jacqueline. Bon, il faut gagner cette mêlée. Ah, je pense que tu l'as. Ah, tu l'as bien joué. Ne vous jetez pas comme ça. Oh! Ça va s'empiller, on n'a pas trop peur qu'il nous fasse les 80 mètres après normalement. Par contre, il se fait bien repousser le pilier. Voilà, Marignard. Et j'arrive pas à te prendre de vitesse. Ah, je te le dis, je suis concentré. Tout à l'heure, j'ai perdu alors qu'il y avait moyen de gagner. Si j'avais juste joué la montre, alors là. On est concentré. Allez. Mais j'ai un peu la poisse avec toi, donc je me méfie pour le... Allez, Kyle Sinclair qui gratte un ballon. Allez. Il y a... Non. Clifford. On conserve. 76ème minute. Hugo Monnier. Ah là là. Allez. 77ème minute. 77ème minute. Ah oui, là je reste près des soutiens. Là. Kyle Sinclair, le pilier. Allez. Il faut du soutien. 78ème minute. Plus qu'une minute à tenir. Allez. Allez. Nick Evans, c'est là, faut pas le perdre. C'est le dernier. Moment, oui. C'est gagné. On gagne. Bon, les Queens qui gagnent de 3 petits points. Drop sorti de nulle part. Ah, bien joué. Ah, c'était tendu. Ah là là. Très tendu. Putain, t'as fait une séance de conservation de la fin. C'est rare qu'on puisse faire ça sur Rugby Challenge. Non, je voulais pas là. Bon, après, en fait, c'est la technique. Hein. Tu envoies juste au rat, tu restes près de tes... Ce qui est réaliste, hein, c'est comme ça qu'elles font soit les équipes quand elles veulent garder. Mais... Oh, le match tout pourri, juste un petit drop. Après la défaite de tout à l'heure, je voulais pas que ça se finisse. Tu paries sur qui? Grenoble ou Harlequins, toi? Comme ça. Alors le Queens clairement en Grenoble ils font pas faire grand chose. Non, je pense pas non plus. Je pense que les Harlequins sont amenés une après une défaite en Italie. En plus, c'est même un bonus défensif. Grenoble ils vont se concentrer sur le top 14. Voilà. Essayer de finir devant Agen et Toulon. C'est leur objectif. Et Perpignan. Oh, mais Perpignan ça tout le monde finira. Perpignan. C'est un fait. Ben. Je crois que là on est voilà. C'est la 13ème place qui se joue. Bon, ça va, on reçoit consécutivement Perpignan et Grenoble. Donc. Mais je crois qu'avant vous affrontez La Rochelle. Hein. Oui, on reçoit La Rochelle avant. Et ça mais peut être on va les affronter. Compliqué. Mais bon. Oui, pour l'instant on n'a pas le niveau. Je pense pas. Mais bon. Ouais, bon en tout cas, merci à toi. Mais merci à toi, c'était cool les matchs. Et puis c'était super fluide, pas de lagrin. Et puis voilà, on finit à une victoire chacun, on va dire.
est content, il y aura... Ouais, comme la dernière fois. Ouais, ouais, effectivement. Bon, on se tient maintenant. Au début, tu me prenais, je crois que c'était mieux, mais là, ça y est, je commence à te tenir, à être à peu près du niveau. Merci à toi. Faudrait que... Ouais. Oui. À la prochaine. Non, c'est en live, par exemple, si je parle pas, je pense que je suis plus concentré aussi. Ah, peut-être. Mais oui, ça joue de parler. C'est... Ouais, mais c'est plus sympa aussi en parlant. Oui, oui, c'est plus sympa. Je suis d'accord. Bon, allez. Bon, ben, bonne soirée. Ouais, merci. Toi aussi. À la prochaine. Ciao. Et ben voilà, merci et merci à la Binouza. En tout cas, les matchs étaient cool. On a réussi à gagner avec voilà cette équipe d'Harlo Queens. Qui est... Bon, Grenoble joue à domicile. Mais vous voyez, la Binous comme moi, on sent quand même une victoire des Queens, parce que les Queens, ils vont sans doute amener une belle équipe. Donc si vous êtes du côté de Grenoble, les gars, profitez, allez voir le match. Vous allez voir quand même des grands joueurs du côté des Queens. Hein, des mecs comme Joe Marler, Nathan Earl, Mike Brown, Danny Kerr, Chris Robshaw. Voilà, t'as des beaux joueurs, hein, voir le Queens. Vraiment, Kyle Sinclair, des joueurs qui jouent avec les Lions britanniques, avec le 15 d'Angleterre. Marcus Smith, donc n'hésitez pas à y aller, il y a de quoi se régaler. Même si, si vous êtes supporter de Grenoble, ça peut être compliqué, mais il faut aller le voir comme un spectacle. Allez, moi j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Merci à vous, merci à Dragon et la Binouze pour les matchs en tout cas. Et puis on se retrouve pour d'autres games et d'autres vidéos. Allez, bye bye, ciao tout le monde.